Bonjour à toutes et à tous, c'est un très grand plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur Vélorando en compagnie de Laurent et Lionel dans un grand site de France. Je ne vais pas vous cacher l'endroit où on se trouve aujourd'hui, c'est les Gorges de la Visse et le cirque de Navacelles que l'on s'apprête à aller vous faire découvrir. Allez, on est venu avec de la compagnie aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Ils sont des milliers, des espèces de petits papillons. Je fais bien de prendre Lionel avec moi parce qu'il m'a donné l'idée que ce papillon, ça pourrait bien être le ver transformé en papillon de la pyrale des buis. À confirmer, mais ça pourrait bien être lui. Cet insecte qui dévore tout, et d'ailleurs la preuve sur la gauche, les quelques buis qu'on vient de voir se portent pas très bien. Et voilà, on va voir le travail de l'eau de ces belles gorges de la Visse. Alors là, on va les voir d'en bas. Et puis, sur le retour, on les verra d'en haut. Donc vous allez les découvrir un petit peu dans tous les sens. Alors la partie qu'on aperçoit ici est bien boisée, difficilement accessible. Et il n'y a plus d'eau, il faut savoir, parce que la Visse a disparu. Elle est passée sous le plancher des vaches. Mais on va la retrouver bien plus loin, dans un endroit assez particulier. Et là, on entend des corbeaux. C'est des craves. Allez, la descente des gorges de la Visse se poursuit et je vais vous commenter ce qu'on va voir dans quelques instants parce que on commence à entendre le bruit qui approche, le bruit de l'eau. Effectivement, on va s'approcher des moulins de la Visse. Ce sont des moulins qui sont installés là depuis 1000 ans. Évidemment, le moulin qu'on va voir ou les moulins qu'on va voir ont été reconstruits. Mais ils sont installés à la résurgence de cette rivière qui disparaît pendant presque 10 km avant de réapparaître à cet endroit. Ça s'appelle la foue de la Visse. Fais attention de ne pas te faire dévorer par la pyrale, toi aussi Lionel. Hein, on ne sait jamais. Hein. À force qu'elle n'ait plus rien à manger, ça attaque aux hommes aussi maintenant. On approche des moulins. Je parle de plus en plus proche du micro parce que là, le bruit de l'eau est de plus en plus fort. Et voici donc le très beau secteur des moulins de la Foue. Et là, ça débite d'autant plus qu'il y a eu des orages il y a 2 jours là. Voilà un second moulin. Je vais prendre une douche, Lionel, là.
On a quitté à regret les beaux moulins de la Foue. C'est sûr que la vue est très belle. Par contre, le bruit est assourdissant. Alors, les gens qui ont dû passer des journées entières à aller construire ces moulins, je pense qu'ils sont, ils étaient sourds hein, à la fin de leur vie. C'est la pause ravito. C'est de la bonne mûre. Délicieux. Et derrière, je te signale, t'avais des gratte cul là-bas. Là aussi. Ah là là, on arrive dans la partie la plus impressionnante de ces gorges. Les falaises sont déjà plus accentuées. Et on va traverser la route un court instant pour trouver un sentier. Direction Navacelle à présent avec son cirque et puis on voit déjà la partie qui va nous ramener sur le plateau là. On voit les falaises et puis cette pente assez douce qui semble remonter. Et c'est là qu'on sera tout à l'heure pour aller chercher donc, toutes ces bordures là. Alors Lionel là on n'est pas arrivé dans un cimetière. Bon, c'est peut-être un cimetière de cairn. Sentier très agréable qui chemine paisiblement. C'est l'arrivée, ou presque, à Navacelle. C'est 300 habitants, je crois. C'est ça qu'on dirait pas, parce qu'il n'y a pas énormément de maisons. Il y a beaucoup de touristes, évidemment, en été, ici. Là. Là, on est un peu à la fin de la saison, début septembre, mais encore, ça doit bien venir. Allez, on a presque tout descendu là, Lionel. Partie très agréable du village là, qui surplombe la rivière de la Lys. Maison toute en pierre. On va essayer d'aller voir la cascade, je crois qu'elle se cache au bout là-bas de ces pierres. Allez, on va descendre aux cascades du village. Il y a souvent des gens qui se baignent par là, ici, hein, en été. La vue sur les cascades. On rentre dans les rues du village pour aller chercher le rocher de la Vierge.
Allez, c'est parti vers cette coquille d'huîtres à l'envers qui domine un peu le village. Je pense qu'on aura une belle vue de là-haut. Voilà le rocher de la Vierge, donc peut-être une des plus belles vues quand on est à côté du village pour admirer la Vasselle. Mais après, on aura des vues bien plus aériennes quand on sera sur le bord des falaises. C'est peut-être la plus belle partie du village ici, là, je pense, hein, ces maisons là. Ah oui, voilà, ouais. Allez, c'était la petite tournée du village. Et à présent, on va aller prendre de la hauteur et puis de la chaleur aussi, parce qu'il va falloir remonter, pas en face, mais une hauteur équivalente à ces falaises qu'on aperçoit là-bas. Je vous ai menti, il restait quelques petits bouts de village à découvrir. Une belle cardabelle. Voilà, cette fois-ci sont les dernières maisons que l'on va laisser. Après, on verra tout ça de là-haut. Allez, on va mettre le coup de collier pour cette montée d'environ 200, peut-être 300 mètres de dénivelé. La seule montée d'importance. Je pense quand même qu'il faut éviter les après-midi assez chaudes de l'été parce que ça doit bien taper ici, il n'y a quasiment pas d'ombre. Lorsque le soleil est à son apogée. Voilà, c'est vers là-haut qu'il faut monter. Le début paraît évident. À la fin, on a l'impression qu'on a des barres rocheuses, mais je suppose que le sentier va trouver sa voie. Et là, on aboutira sur le Larzac. Voilà peut-être l'une des plus belles vues que vous aurez sur Navacelle, avec sa coquille d'huître à l'envers et sa vierge juste au-dessus. Et puis le village qu'on aperçoit quasiment en entier là. Lové au fond de ce cirque. Voilà, on a mis le thermostat sur 80, 120 degrés. Bon, il fait pas trop chaud encore, ça va. On n'a pas à se plaindre.
Puis il faut dire que là, il y a un replat avant d'attaquer la dernière partie de ces hostilités. Chemin qui zigzague là sur cette croupe. Monter assez difficile, mais sans plus. Ouais, c'est bon. Tranquille. Et puis il y a surtout cette vue qui se révèle de plus en plus. Là, on remarque vraiment le méandre qui entoure notre coquille d'huître là. Méandre aujourd'hui a séché parce que la rivière passe au bout là-bas. Elle a fini de tailler la roche là. Et on rentre dans l'univers des falaises. Qu'est-ce qu'il y a comme oiseau ce matin? Impressionnant. Allez, on vient buter sur les falaises et on aperçoit les gorges de la Vis où on était tout à l'heure. C'était juste en bas là-bas. Et puis là, c'est vrai que c'est très bien tracé. Il y a même des murs, ouais, des murs. Ouais, des murs porteurs. Je pense que ce sentier devait être assez important à l'époque, quand il n'y avait pas la route. Allez, on a le facteur qui arrive. Le facteur. Ouais, par le chemin du facteur donc. Ah oui, tout à fait. Et tout à l'heure, je t'avais parlé de 300 mètres de dénivelé, mais il y en avait 296 pour être précis. Donc c'est vrai que c'est pas très très long à monter. Sur un bon rythme, ça passe à moins de demi-heure ça. C'est la vue ultime. On ne peut pas monter plus haut. La vue ultime sur Navacelles. Quasiment plus l'occasion de le revoir Navacelles parce qu'on va avancer sur les corniches et on va s'éloigner. Mais on aperçoit le sentier des facteurs très fréquenté par les touristes qui partent de là-bas. Sur ta droite, Lionel, c'est la Baume Auriol, c'est ce point de vue avec cette maison. Je crois qu'il y a un bar-restaurant. Très fréquenté en effet. Voilà, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose sur l'image, mais tout est cramé. Tout est dévoré en fait par cette fameuse pyrale qu'on a vue tout à l'heure dans les gorges de la Vis. Alors on est dans une section plus ou moins hors sentier ici là, il faut longer le bord des falaises. Alors donc là il faut passer à peu près là où on voit de l'ouverture dans les buis. Il n'y a pas de sentier vraiment parfait.
Ça les chemine mal, là, je pense. Je pense que t'es même peut-être un peu trop bas, là. Ouais. Je vais remonter plus haut, moi, là. Ouais, parce que ça paraît pas, ces buis, là, mais ça arrache la peau, là, quand on s'y frotte, là. Donc ici, quasiment pas de balisage, il y a quelques cairns par-ci par-là, il me semble voir. Allez Lionel, tu te piques pas trop. Comme ça on arrive à trouver un passage. Ah oui, il faut serpente. La serpente dure. Voilà, on a ici la partie la plus escarpée donc, de ces gorges de la Visse certainement. Et les falaises les plus verticales, les plus hautes. À partir de maintenant, c'est du hors-sentier total. On doit retrouver une piste tôt ou tard, mais là, on a perdu la trace là pour le moment. On a un bout de piste là, minuscule, bout de sente même. J'appelle même pas ça une piste, évidemment. Sente minuscule. On va tenter de suivre. Alors ici, si on vient juste avec la carte, ça risque d'être un peu chaud quand même. Voilà, quand même, on voit quelque chose, hein, il me semble. Il y a de tout ici. Il y a toutes les choses qui piquent. Voilà, on est dans un no man's land un peu là. On va être perdu, tu vois. Il y a une piste là quand même. Pas on y va, mais on y va. Ouais, bon. Pourquoi pas. Bon, on a bien avancé parce que on commence à avoir laissé les grosses falaises un peu derrière nous. On s'est bien embêté quand même sur cette section-là. Et pour retrouver la sente, c'était pas si évident que ça. Hein. On l'avait légèrement quitté par l'intérieur du plateau. Je crois qu'on a dû vraiment rester sur les bords. On retrouve une mini sente à nouveau et on laisse la falaise vraiment juste à quelques mètres à notre droite. Donc évidemment ici il faudra éviter de venir si c'est un peu couvert ou s'il y a du brouillard surtout. Ce serait un coup à se perdre là je pense. Allez, il faut pas rater cette ferme, elle fait partie du parcours. Et là, on va essayer d'aller quand même jeter un coup d'œil sur les falaises à nouveau. On va faire un petit écart, mais on va tenter de trouver quelque chose. Ça va pas être évident là, encore à nouveau. Et encore une autre digression à notre sentier que l'on vient de quitter. Mais c'est toujours pour s'approcher sur le bord de ces falaises par endroits très impressionnantes comme ici. On va voir le pissure là, Lionel. Thank you.
Voilà, c'était le dernier gros point de vue, je pense, de ce parcours. On aura Vissec tout à l'heure, notre point de départ peut-être. Et puis là, on va rejoindre la piste qui va nous ramener au point de départ. Toujours dans les hors-pistes qu'on affectionne, mais cette fois-ci, on est dans un endroit un peu moins broussailleux. Donc, c'est plus facile d'avancer. Petit air de savane ici, là. Il ne manquerait plus qu'un lion, un zèbre ou une girafe, et on s'y croirait, là. Vous aurez souvent vu ce grand massif durant presque une bonne partie de la vidéo. Je ne vous ai pas indiqué de quoi il s'agissait. Et bien, c'est tout simplement le massif de l'Aigoual, qui culmine à 1565 mètres. Et le mont Aigoual qu'on devine peut-être sur main droite là-bas. Et c'est toujours assez difficile à estimer parce que le sommet est très plat. On croyait rentrer tranquillement, mais c'est encore des bouts de sente presque invisibles qu'on est obligé de suivre. Pas facile là, l'orientation ici. Par temps clair déjà, on n'est pas au top. Alors, j'imagine s'il y avait du brouillard là. On serait perdu, on serait les naufragés du Larzac. Et là, c'est le retour donc vers le cirque de Vissec. Parce qu'en fait, il y avait deux cirques dans cette rando. Le village de Vissec, duquel on est parti juste à côté. Je pense qu'on pourra le voir tout à l'heure. Le voilà, le charmant village de Vissec. Très isolé, parce qu'il est placé au fond d'un cirque, donc, dans l'entrée des gorges de la Vis. Il faut aller le chercher. Alors voici Vissec. Là effectivement oui, c'est l'ancien cours d'eau par lequel la vis ne passe plus. Elle passe ailleurs mais on ne sait pas où. Avant de se récupérer donc à ce moulin, à ces deux moulins qu'on a vu là-bas tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo à cheval entre le Gard et l'Hérault. Dans ce grand site du cirque de Navacelles et des gorges de la Vis, on se retrouve très prochainement sur Vélorando. En attendant, je vous invite d'aller voir sur Instagram toutes les photos. Et puis, bien entendu, de penser à vous abonner et à liker nos vidéos et puis à activer la petite cloche qui va avec. Voilà, on va se quitter, mais pas tout à fait, puisqu'il y aura une surprise, Lionel, oui, un bonus à cette vidéo. Super. On va faire 20 km de route pour aller vous montrer une curiosité. Voilà, si vous voulez partir, eh bien, on se retrouve la prochaine fois. Sinon, vous restez encore avec nous. Ciao, ciao. Bye. Allez, on finit d'attacher les chaussures et c'est parti pour le bonus. Alors, qu'est-ce qu'on est venu trouver ici, tout près de l'Hospitalet du Larzac, à 25 km de Vissec, là où on se trouvait tout à l'heure. Eh bien, ça s'appelle une canole. Donc là, on est en train de la surplomber, je pense. Une canole, c'est une grande faille créée par l'eau, hein, le ruissellement, etc. Puisque là, on a des terrains calcaires. Et là, effectivement, ça a l'air d'être assez impressionnant. Et voici les fameux craves à bec rouge. Ils habitent ici. On les entend même, hein. T'en vois là ? Ah ouais. Donc voici la fameuse faille, mais là on est à l'envers. Alors attention hein, parce que là, chute interdite. Ça paraît pas vu d'ici, mais il y a peut-être 10 mètres d'aplomb là. Il y a du monde là. Hein. Tous les craves là sont de sortie. Je sais pas. Rien que nous sommes de nouveau déjà, ça les. Ça les perturbe, on dirait. On est quasiment à l'extrémité, hein. Voilà, c'est qu'on peut jeter un petit coup d'œil, il faut faire très attention. Allez, il y a encore d'autres. Hein. À peine ils entendent nos pas là, et de suite, on aura ça là-haut. C'est là-haut. Impressionnant. Apparemment, notre visite ne leur fait pas. Ils ont eu au domicile et dans ces grottes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voici l'Avenne là. Là. C'est la partie, je pense, la plus
plus profonde. Voilà l'entrée de la canole. Avec son pierrier. Ça se trouve tout au nord en fait de la faille. Facile à localiser. On descend dans des buis là. Qui sont par contre intacts ici par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Thank you.